Je crève à 2 degrés. Ouais. J'ai crevé. Je sais pas comment. À 2 degrés, on va réparer ça. C'est plus sec que la semaine dernière. Est-ce que c'est plus sec que la semaine dernière? Ouais, ça y ressemble. Ah oui, c'est pas photo. Le soleil brille et ça fait du bien. Je refais l'intro. Nous voici je la refais. Here we go! Bonjour et bon dimanche. Eh ben c'est dimanche, comme je viens de le dire. Il fait je sais pas. 0 et 2 degrés. On va voir les courageux aujourd'hui s'ils sont présents ou pas. En tout cas, l'avantage c'est que la terre est un peu moins boueuse. On va pouvoir peut-être avancer un peu plus vite et glisser moins surtout. Voilà, et bah c'est parti. C'est la première montée de la matinée. Les doigts qui gèlent là. Ils vont kiffer, je pense. Je sais pas quelle heure il est là. Il est 9h10. On est toujours content de faire une petite montée à la raide quand il fait 0 et qu'il est 9h10. Et qu'on a froid, ben, je sais pas si on voit, le champ il est gelé, mais au moins ça grippe là. Commence bien, j'ai crevé, je sais pas comment, j'ai même pas roulé dans les ronces, donc à 2 degrés, on va réparer ça. Pardon ? Il y avait ce qu'il faut pour réparer. Oui, c'est bon, merci. Ah, mais il y a quand même encore des gens gentils. Je propose de l'aide. En voiture. Ça fait plaisir. Vous filmez en même temps ? Oui. Avec le poids, ça prend quand même la colle. Bon, en fait, j'ai une de rechange, c'est tout simple. C'est pas prévu au programme, hein, mais bon. Ah ben, je m'en doute. Ce sont des choses qui arrivent. J'ai vu qu'il y a quand même une personne qui était gentille, qui s'est arrêtée. Oui, c'est gentil. Franchement, les gens, ils sont... Mais il y en a encore, il faut garder espoir. Mais je vous propose pas parce que le vélo, je ne vais pas voir. Non, mais c'est gentil, ça va aller, merci. La voiture, ça va à peu près. Mais... merci, bonne promenade. Bon, après quelques minutes de galère avec les doigts gelés, on rentre en espérant que ce soit la bonne. Et qu'il ne reste pas une épine coincée dans le pneu. Je sais même pas pourquoi j'ai crevé à cet endroit-là. Bon, est-ce que c'est un truc dormant que j'ai réveillé sur une bosse? En tout cas, mes espoirs de long trajet ce matin me nuisent.
Bon bah nous voilà repartis après une demi-heure de galère à foutre ce pneu avec les mains gelées. C'est surtout les mains gelées le problème. Ouais, c'est 4, faudrait quand même que j'essaye de passer en tubeless. Hein. Allez, on sait se pas battre, on y va. Alors, tu crèves jamais l'été. Alors que tu peux pas te cailler les doigts en remettant le pneu sur la jante. Mais l'hiver, bah l'hiver oui. Alors, est-ce que c'est plus sec que la semaine dernière? Ouais, ça y ressemble. Ah oui, c'est pas photo. Là, au moins, il y a du grip. Merci les sangliers qui ont tout tourné. Regardez-moi cette lumière. Et voilà, on va le geler là. Allez, de l'autre côté. C'est tout blanc. Finalement, niveau sensation, il fait moins froid que la semaine dernière. Alors que le thermomètre est plus bas. C'est encore un peu humide ici. Ah oui, ça n'a pas gelé suffisamment. Et complètement effacé des semaines. Allez hop là, on sort de là. Des semaines et des semaines de pluie, mais bon, une partie qui est roulable correctement. Je vais faire attention à la tête. Ah, je pensais pas que ce serait encore dans cet état là ici. Attends, c'est le Marocanard. Ah, moi qui pensais revenir à les roues propres. C'est râpé. Allez, petite descente normalement là. Voilà. Le soleil. Ouah, le vent il est froid quand on roule vite.
Ici, l'été, c'est une belle descente. On va voir ce que ça donne l'hiver. Bon, déjà, il y a des ornières. Ouais, bah, je m'attendais à un truc plus fluide. Bon, bah, y a les molos. Ah, c'est dommage. C'est bien dommage. Mélasse, mélasse. J'essaie à droite. C'est sur ce beau soleil que se termine cette vidéo qui vous prouve l'utilité de prendre nécessaire de réparation diverses et variées, parce que sinon on se retrouve avec un pneu crevé au bout de 10 km et puis on est dans la galère. Voilà, et ben bon dimanche et à dimanche prochain.